Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode. Donc on avait fait le niveau 2 ici et on peut go se faire le niveau 3. Et là faut aller défaire un boss. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord se faire le boss des orques? Moi je pense qu'on se fait d'abord le boss des orques avec Emmanuel. C'est important. Que j'ai une attirance particulière pour les fontaines. Une fontaine de crétins. Eh ben, let's go. Let's go faire une fontaine de crétins. À deux avec ça, on va prendre des baffes à deux et on va prendre $2. On est très très nul, c'est une catastrophe.
à quel point on est nul. Non, parce qu'on va rusher le boss. Ouais, de toute façon, dans tous les cas, on va rusher le boss. Donc, on va éviter la mauvaise fontaine. On va aller chercher un gobelin. Je vais faire un boss dans un état d'unité. J'aurais jamais dû. Ça marche quand ça l'arrange en fait. Ok.
Donc une cape qui me ferait perdre un point de vie. Thank you.
Mais alors t'es bien bon. Excellent. Parfait. Le plan aussi. Le skull cap est pas mal. Il bloque tout quand il tire rien. Mais tout à pointe là, il fait saigner les jambes, c'est quand même plutôt cool. Vas-y, je vais te prendre le garde-loup puisque je sais que je vais sur la fontaine. Je vais prendre la thune sur la fontaine. Je vais me remettre un monstre moche par ici. Je vais me remettre un autre par là. De stupidité, ok, j'ai stupidité à 2. Vous avez de nouvelles stupidités. Percevoir de fin. Oui, je suis stupide, mais c'est vrai que je suis stupide. Je vais faire un dégât magique au prochain cas. Je garde une stupidité au cas où. Incroyable. Donc à partir de là, tu vas rentrer en rage. Donc on va te mettre une bonne grosse caisse là. Blablabla. Comme ça, j'ai plus qu'à faire. Ah, petit jeu rapide. Ah oui, merde. Je vais pas regarder, tant pis pour moi. Si sur 16, je discarde. Oui, bah super. Tiens, on a moins de cartes de stupidité. Bah super. Oui, je devenais intelligent. Parfait. J'ai déjà. Faux. À moins de décider de m'affronter des types de niveau 3, genre un scorpion. Mais genre. Genre le style, tu vois. Est-ce que. En vrai, je vais faire assez de combats pour voir si c'est un truc positif ou pas. Ok, je ne verrai pas ce que joue mon adversaire. C'est parti. Yeah.
je le sais de loin. C'est si fort. Je bloque tout. Je bloque tout. L'épée, c'est exactement la même chose. Hein. Je trouve ça tellement plus fort, en fait. Caillou. Let's go. Go le scorpion. Et c'est la fin du tour. Très bien. Tu vas ignorer mon armure. Très bien. Vomis du sang. Je perdrai de la stupidité, ce qui est très très intéressant. Je perds un de vie. La scale mail est plus intéressante. Bulwark, par contre, je sais pas ce que ça fait. If you would take exactly one damage on your turn, prevent it. Ah, j'annule les blessures à 1. Ah oui, donc c'est pas dégueu. C'est finalement un peu plus fort que juste un point de vie. Attaque magique, c'est très intéressant contre l'orc. Je vais prendre ça. C'est très fort. C'est très fort parce que si j'arrive à réduire les dommages à 1, ça fait complètement le taf. Et là, après, tu vas vers le boss. Ok, bon, on a le truc vers le boss. Très bien.
je tire une carte. Ça. Et dans tous les cas, je vais payer. Je vais payer. Donc, je vois pour moi. You understand. This used to be a peaceful land. Since your guild come along, everything has gone wrong. And I dread to know now what you've planned. Quand même fait 64 balles de loot, hein. Et j'ai gagné Fleshwand. Oh putain. Mais vraiment. Quel héros de merde. Au secours. Au secours. Au secours, au secours. Mais voilà, on a rentré un peu de pognon. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va aller chercher la forge ultime ? Ça sent que oui. Rétribution, ça fait quoi ? Est-ce qu'on pourrait savoir ? C'est marrant parce que les armes avec stupidité à 1 me paraissent mais tellement moins fortes. Elles me paraissent plus nulles. Voilà. Et j'ai gagné donc un nouveau donge. Ok, ok, ok. Eh bien, on retourne à l'exploration dans un prochain épisode. Je vous remercie, c'était Knarfank sur Comme d'habitude Gaming, et je vous dis à la prochaine, ciao!